Yo la fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec une autre vidéo. Jodi a nous va développer plusieurs points pour une information, mais avant nous faire ça, si c'est première fois visiter nos informations, nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media now là. Et bien nous pas perdre temps, n'a déroulé avec information. Yo, on ouè. Premier ministre pays Joseph Jout visiter Sénat République là. Et nous voulons faire connaître, dans l'occasion de faire l'anniversaire ancien président de la République, là, Jean-Bertrand Aristide, qui joue chaque année, Fondation Docteur Aristide, là, toujours profiter de l'occasion ça pour organiser activité ici dans Haïti. Ces informations, ça nous porter pour avec plaisir, l'autre. Nous pas perdre du temps, n'a pas commencé. Cool, général du pays. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que l'ensemble des collègues sénateurs ont été présents pour participer à la rencontre. Mis à part deux sénateurs qui sont absents du pays, et 8 des 10 sénateurs étaient présents. Ça démontre maintenant l'intérêt qu'ils avaient porté pour rencontrer le Premier ministre. On a porté des discussions sur un ensemble de points, sur la situation générale du pays. Qui dit situation générale d'un pays parle de politique, économie, sociale, environnementale et tout. Mais nous avons précisé sur une série de points particuliers et nous avons parlé sur les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous parlons sur la pandémie COVID-19. Nous parlons sur sécurité. Nous parlons sur d'autres points qui font l'actualité et finalement nous avons fait en différents points. Là, on a 8 sénateurs qui l'a capable changer chaque point prise de parole. Et chaque domaine côté, il y a
parler un peu plus, qui toujours des problèmes du pays, et tout échange, toute question est abordée. Et ça, mon cas dit, c'est que le Premier ministre a été très ouvert. Il partage avec nous des informations sur la sécurité, des préoccupations économiques, des préoccupations politiques, des préoccupations environnementales. Et ça a fait cher tant que lui-même, on branche du pouvoir exécutif et nous-mêmes du Parlement. Comment maintenant nous travaillons ensemble, collaborer ensemble pour nous colter nous à problème qui concerne les pays hein, en tant que responsable d'État. C'est des échanges maintenant très ouverts, des échanges très respectueux, des échanges sur les profonds sur la situation du pays. En gros, voilà ce que je veux dire. Nous connaissons une question contre pénale à tout président qui a fait le mot. Dans les temps sociétaux, est-ce que c'est la même nous parlons de ça? Oui, nous parlons de ça, c'est ce qu'on parlait de code pénal, tout de notre question. Bon, alors, ça, je le dis en conduit dans le code pénal. Là. Même pas de ce code pénal là déjà, son code qui venait, il veut ça, il n'y a pas retenu là-dedans, c'est que dans la période de battement, c'est-à-dire autant, environ 24 mois avant que nous rentrons en application. Différentes organisations qui parlent de lui-même et il y a des articles que je pas d'accord. Je pas d'accord par rapport à l'évolution sociale, par rapport à MS et autres. Comme je dis déjà, c'est que vous voyez, en même temps, il y a une sur cette question. Hein, et qu'il faut demander tout simplement, plus récemment, un code pénal. Donc, son période maintenant côté les différentes organisations, institutions de la société réagissent par rapport au document qui est important. N'oubliez pas, le dernier code pénal date de 1835, ça fait deux siècles. 1835, c'est le 19e siècle, nous sommes au 21e siècle. Ça fait deux siècles. Il y a plus de bagages qui prend le code pénal là. Vous me regardez, mais nous pensons que le code pénal n'a pas pour ni Premier ministre, ni pour le président, ni pour le sénateur, ni pour le député. Son code maintenant pour la société. Donc, après tout le monde doit être d'accord pour attendre, pour faire tout ce changement de faire là, pour un code adapté aux besoins, aux mœurs, aux coutumes de la population haïtienne. Voilà. Oui, Président, on a tout fait enchaînement et même j'ai avec nous et entre les journalistes là, nous observer une page du passeport sur les réseaux sociaux qui fait état de. Et qui écrit Pierre-François Sildo. C'est un Canadien. C'est un Canadien. Qui sont Canadiens avec vous? Ça m'a dit population. D'une part, tout journaliste qui était là, pour pas préférer rentrer, le cap retourné en mars 2017. Le même Pierre-François Sildo a gagné l'élection. Qui a été porté prêt à CEP. Nous avons chité devant 8 membres, 9 membres de CEP. Vous êtes tous jugement parce que nous-mêmes, nous avons l'élection avec bien voire plus que candidat concurrent. Nous. Que nous ne mettons pas ça d'ailleurs. Que nous-mêmes t'es toi la coopération Canada, que nous avons l'aide de coopération Canada qui dit nous ne pas ni résidence au Canada, ni nous pas canadien, qui signe pour l'ambassadeur d'alors du Canada, et que c'est un peu à gain. Vous allez mettre côté à sur Facebook, à sur YouTube, tapez François Sildo, Pierre François Sildo, sénateur de la République, canadien, regardez ça que la donne. Nous ne pouvons pas réagir sur dossier ça toujours. Fais même, ces sénateurs, devant une assemblée, que nous prêtons serment devant, après toute question, tout ça que nous faisons, pas tourner sur question ça encore. C'est sénateur de la République, même du Sud jusqu'à 2023, ancien vice-président du président du Sénat de la République. Si nous avons le courage, si nous avons le courage, c'est pour lui déposer un peuple formel. Pour signer, vous donnez un formel problème comme si on ne s'est pas. Sur le livre relatif, je suis volé, mais quand même, vous dites, nous basons encore la question. Article 415.1 dit que le Sénat siège en permanence. Majorité, par majorité, il y a 10 sénateurs. J'ai une séance de travail très très fructueuse avec le Sénat de la République. Le président du Sénat, qui sort donc déjà tout point qu'il a abordé. Le dernier point, c'est pour faire actualité à semaine ça, c'est sur le code pénal. Là, nous discutons en pétrole. Et demain, il y a pour se voir une correspondance qui a demandé ça, vous pensez sur ce sujet.
Et le Premier ministre, nous connaissons pendant le dernier temps ça, ou des questions d'Adichalan, qui a fait rage, toute population libre a souffert de ça. Et déjà plus que 3 mois, où on a tête gouvernement, qui ça, le gouvernement lui-même, compte faire pour alléger la situation de la population? Nous avons des programmes sociaux qui ont marché, mais tout le monde n'a pas touché. Et numéro 2, c'est manger, descendre manger, le gouvernement continue de travailler pour mettre de l'eau sous terre. Là, nous mettons là, nous, on a planté pour venir manger. Mon problème, est-ce que l'unité, ça va aller terrain dans le pays? Est-ce que il y a une mesure à l'oublier qui a adopté pour résoudre le problème? Surtout question Genève. Il y a un pile de mesures qui prend, et si pas de mesures qui prend, situation, on a fait grave. On a continué le travail, on n'est pas satisfait des résultats que nous avons. Mais on a cherché des résultats. Et est-ce que vous avez dit que nous n'avons pas arrivé satisfait avec les états que nous avons lorsque nous évoquons l'ICMAN comme nous avons diminué la justice et puis le monde qui était évoqué comme substitut commissaire au cap, c'est lui-même, nous mettons l'ICMAN de Lille et nous avons évoqué parce que le bail performance. Qui j'en pensais que nous capables ici, nous avons une sécurité que nous avons là avec le monde qui a des résultats comme substitut. Peut-être que nous n'avons pas dit que le bail performance. Et nous avons lié notre correspondance pour dire qu'elle était contestée l'évocation au niveau CSP. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, et chers journalistes. Mobile, année ça, nous mettons focus là sur un pile timoun avec victime. Écoutez, ouais, dans la cour, nous te gain football qui tape joué, golf qui tape sauté, domino tape joué, marel, c'est une façon pour nous bailler timoun au moment de détente. Ensuite, te gain un petit repas que nous partager avec les premiers 500 timoun qui sont passés, plus que te gain manger pour grand moun. Nous connaissons que besoin yo en pile dans le masque. Non, moment ça en Haïti. Ça, c'est façon panou, façon titine pour faire un partage de solidarité avec tout le monde en Haïti. Il y a des gens qui ont parlé avec eux, c'est Timoun La Saline, Cité Soleil, Timoun Nanzonio, vraiment Timoun un peu partout qui vini pour y joindre un petit moment de détente. Ça. Message lui, c'est toujours un message de solidarité. Solidarité avec tout petit monde, grand monde, tout le monde en Haïti. Depuis que tu sois comme père, comme professeur d'école, comme président et comme recteur d'université, c'est toujours éducation que lui prenez comme bagage qui est très important. De fondation, UNIFA, c'est contribution par lui, avec par nous, pour nous aider à former le plus de Timoun, soit c'est docteur, infirmière, avocat, Anessa nous te gagne agronome, génie. Et c'est vraiment dans l'esprit de nous gagner un espoir
pour l'avenir. Et c'est vraiment c'est ça qui message. Que faut que nous gagnions l'espoir et faut que nous comptions sur jeunesse. Et faut que nous baillons. Petit petit que nous gagnons, c'est avec petit monde, avec jeune monde que nous baillons parce que c'est l'avenir Haïti qui l'amène. Donc c'est vraiment pas d'accord. Bon, c'est ça. You know, depuis 29 heures, ils sont là et ils jouent le moment de détente ça. Ils jouent un petit repas, un petit cola frais, un chaleur ça. Et c'est vraiment ça que nous avons fait. Pendant que, puis devant, nous continuons avec clinique. Même si pas de clinique mobile qui était faite jeudi, il y a une clinique permanente qui l'a la fondation. Donc si vous avez besoin d'un docteur, de lundi à samedi, il y a une clinique. Puis devant, pendant qu'on a fait construction de l'hôpital, pas gagné l'hôpital. Tout ça que nous faisons, c'est avec esprit d'éducation, formation et santé, tout, pour que nous puissions vraiment renforcer le courage. Public parce que depuis où vous couper cette
nous saluons la presse, nous saluons toute population chrétienne là, et qui est avec nous la matin. Hein. Et nous saluons l'autre deux maires, c'est nous, c'est Jean-Jonas Saint-Gis et Géraldine Jean-François. C'est tout. Je dis à Nabdi merci d'abord avec la population chrétienne là, par rapport avec ça comme contribution la commune là, qui permet nous réaliser un si bel travail comme ça qui se place bon roche, bon repos. Et nous disons merci encore parce que je dis à vous être capable de réaliser place bon roche là avec contribution qui l'a quoi de bouquet. C'est avec un pile sacrifice tout nous-mêmes, bon côté par nous, qui l'a cartel mérite de bouquet. Nous t'ai accepté pour nous te souffrir, sans que nous pas de gué frère, sans que nous pas de besoin de prendre comme mairie pour nous acheter machine pour nous rouler, sans que nous pas de prendre comme mairie pour nous prendre location, pour nous débattre tête nous, peut-être nous sommes capables de bénéficier de belle place là, côté tout le monde bon repos tape dans la lui-même. Je dis à Andy, place bon repos, sans que nous pas de inaugurer ou engouement population. Bon repos à la population chrétienne n'a gagné pour lui. Et nous disons merci, je dis à Andy Place Bon Repos, qui peut être non, Place Bon Repos, Bon Repos, il inauguré, il était disponible pour la population chrétienne, mais les petits viennent jouer, viennent participer en dans Place Bon Repos, Bon Repos. Merci beaucoup. Bon, nous-mêmes d'abord, nous disons qu'on va faire business sans qu'on va faire côté pour tout le monde jouer. Je dis à Nabdi merci tout avec famille Colin qui te met des terrains disponibles, qui te fait don avec mairie quoi des bouquets. Pour être capable de bailler pour faire un espace, place pour tout le monde venir jouer. Je dis à grand pile de monde qui a contacté famille ça, qui m'a demandé un espace là, soit pour faire maquette, pour faire pompe gasoline. Mais nous-mêmes, nous gardons la population bon repos, nous connaissons ça au besoin, parce que tout le monde bon repos, qui a toujours demandé une place. Place. Je dis à nous pas capable de dire tête nous pouvons faire pompe gasoline, nous pouvons vendre terrain, soit pour faire maquette, ou bien nous-mêmes, nous sommes capables. Faire et business la donne. Je viens de choisir pour nous dire faire place publique côté pour tout le monde vient jouer, côté pour grand monde d'avoir rendez-vous. Je viens de capable de dire bon repos, bon lieu de rendez-vous. Ça veut dire qu'on doit dire maintenant nous sur place bon repos, place bon roche là. Avec bon repos, bon adresse, je dis. L'on prend exemple, ou du sur route nationale numéro 1, ou gagner pour joindre une place publique depuis Pont Rouge. Pour venir là, où est-ce que nos places et public. Et je dis à la dit, la même semaine ça encore, côté nous allons inaugurer la place Cesslès là. Côté nous faisons sous-commissariat, nous allons inaugurer sous-commissariat, place Cesslès là, nous allons inaugurer la semaine là. Parce que les gens qui ont voté nous, ils ont voté nous pour nous faire un service. Ils ne pas voter nous pour nous devenir piller. Ils ne pas voter nous pour nous continuer à mettre quoi dans la poche. Ce n'est pas ça qui est important. Parce que je dis à les gens qui votent nous dit merci le fait que vous avez voté nous pour nous donner un service, pour nous donner une question de sécurité, pour nous être capable de faire développement dans la commune. Mais c'est malheureux. Ça nous souhaité faire. Nous ne pouvons pas arriver à faire vraiment à 100%. Mais quand même, nous ne pouvons pas dire nous satisfaire à 100%. Nous satisfaire un peu. Et nous disons merci tout avec toute équipe mairie, comptabilité, technique, génie, qui te bail contribution. Je dis à pour nous réaliser ce bel travail ça et nous continuer. En disant 13 jours, fait mandat nous, nous avons inauguré une place publique, ça veut dire un paquet de bagaille pour nous. Mercredi ou vendredi, nous allons inaugurer Cafou Cesslès là. Ça veut dire un paquet de bagaille pour nous. Canaran, 28 juillet, ouais par ouais, rendez-vous, Ronny Collet avec toute l'autre demain à CCE, nous allons devant coup de compte, nous débattons une lettre pour nous dire non. Nous ne pouvons pas violer la constitution, nous devons être sur l'IA. Nous disons quoi? Nous devons participer à l'élection, décret électoral de mars 2015. Mandat nous fini, nous ne pouvons pas continuer encore. Et nous disons, quel que soit le monde qui t'a souhaité pour continuer à faire ça,
ou pas besoin de nous. Parce que ça nous dit, nous respectons et nous coopérons. Nous pas besoin de faire débat sur ça. Ce problème qui résout déjà, nous respectons la Constitution parce que nous te prêté serment sur lui. Constitution 87, amendée, lui dit, l'article 68, lui a dit le mandat élire. Nous-mêmes, nous te prêté serment le 28 juillet 2016. Mandat nous a fini, 28 juillet 2020, nous ne pouvons pas continuer parce qu'il n'y a pas d'élection. Si l'élection n'est pas faite, c'est nous qui sommes responsables. Élection n'est pas faite. Bon rumeur, nous dit, cap dit, parce que nous avons jamais arrêté, qui dit, continuez nous pour nous servir des agents intérimaires. Quand elle mérite ça, c'est la élection, nous sommes allés pour nous donner mandat. Mandat peuple. Je dis, mandat nous fini. Nous pas magistrats quoi des bouquets. À partir du 28 juillet, nous faisons une déclaration publique dans le monde entier avec la presse pour nous dire haut et fort avec mairie quoi des bouquets. Moun qui t'a souhaité le menu, la tête mairie quoi des bouquets encore, nous dit nous pas faire campagne avec eux. Il y a autant de PHTK pour bail mairie. Nous même nous pas faire promotion pour PHTK, nous pas faire campagne pour PHTK. Pas penser avec nous. Bagay ça, nous pas voulons continuer à parler sous lui. Si tu es arrêté, qui te prend, qui concerne trois messieurs dames, nous trois messieurs dames, nous demandons s'il vous plaît, retirez ou bien changez. Baili avec le monde qui te fait élection, qui te fait campagne pour nous. Position nous aujourd'hui, nous avons senti nous pas à l'aise. Nous pas correct. Si je dis critiqué, ça ne pas fait le pays. C'est pas de fait qui va fait et puis nous t'avons dit tête nous pour nous servir pour voir qu'à pire population nous pas la donne et nous pas quoi yon moun sans qu'on va consulter nous yon et puis nous t'avons une décision qui en va avec nous. Nous dit pas penser avec nous, penser avec l'autre monde parce que ça fait là là il pas fait là derrière nous. Les fêtes pour le dader tu nous. Merci beaucoup. Voilà. Merci un peu. Après déclaration maïsien au Nicolin, mon conseil là, la visibilité pour capable permettre que nous explorer différentes parties qui sont en place là, qui sont kiosque là, qui sont belle terre de jeu ça, qui est pas de basket, volleyball. We'll be right back.
Bon, nous sommes contents parce que nous te soif ça. Et je dis à c'est une opportunité pour l'église là, côté que nous ouvert pour nous capables retourner en activité nous. Est-ce que nous respectons tout principe autorité établie? Bon, m'passe n'a pas essayé comment nous capables respecter yo. M'passe soit suivre après nous gain beau kit qui disponible là pour tout le monde qui venir pour capable et laver mains yo et venir pour capable porter cachenet soit suivre membre d'accueil qui disponible devant l'église là de pour monde pas gain cachenet il pas quitter l'entrée distance là dans l'église à tout. Bon, distance là, on a pu essayer de comment on a essayé d'arranger ça parce qu'on connaît jeudi, c'est le premier jour que nous-mêmes avons rencontré. Donc, on pense pendant que nous à peine rencontré, donc, on connaît à force que nous avons réuni, eh bien, nous pouvons arriver à joindre une stratégie pour nous capables de continuer le travail. Dans quelle église nous est là? Nous sommes dans l'église de la communauté du Christ, dirigée par Rosé Jean-Claude. Mais est-ce que qui souffrance ou est-ce fidèle lui t'a enduré pendant 4 mois ça? Bon, je pense que pendant 4 mois ça, c'était un peu de difficulté parce que on connaît des gens qui force lui, c'est lorsque les jeunes gens qui toujours pas la velle, qui toujours orienté, eh bien qui peut le faire force lui. Mais une fois que il vient pas jeune ça, donc ça capable arriver, il faiblit et puis tout bagage capable arriver. Mais je dis à là, je pense que c'est une opportunité de nous joindre pour que nous capable retourner ensemble encore. Quel message vous gagnez? Bon, le message que j'ai gagné, c'est dire mon et utiliser un peu de prudence parce que maladie en réel. Et puis pour nous capables de continuer une activité, nous. Non, c'est. Ah, nous, c'est Fodson. D'accord. À nous réaliser votre l'église à qui ouvrira, c'est une grande joie pour nous et c'est une victoire tout pour nous, pour l'église en général qui ouvre porte pour nous venir adorer le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et c'est l'envoi de Jésus Christ pour capable de la vie et la vie de Pape Jean. Nous comptons le fait que décision à prendre et au fur et à mesure nous croyons tout le à marcher, la plus bon pour nous et la bon pour le pays à tout. Nous disons tout le monde qui est meilleur là, laver mais où, mettre cache mais où, et puis. Et qu'est-ce que distance sociale là, nous croyons que c'est lui qui a pour aller vers là. Merci pour nous mettre l'église pour nous capables de fidèles capables de précaution. Jusqu'à présent, nous avons dans l'église à prendre 11 personnes, mais nous avons le même principe là, 4 personnes par ban, et nous mettons alcool pour laver mais l'eau pour laver mais nous mettons cache. Jusqu'à présent, nous avons le principe là. Nous, dans le service, nous améliorer tout ça nous devons faire pour nous faire. Nous faisons auprès de 1h30. Nous avons le premier service qui. Fini là, qu'on est là, nous allons commencer notre deuxième service là, et nous allons faire classe école dimanche. Après ça, après 1h30, deuxième service là. Commencez, nous allons faire 3 cultes pour journée jeudi là. L'église nous est là. Nous, on a l'église baptiste, nous sommes Marais, Gafou Marais, nous sommes boulevard Marais, hein. L'église là, qui est dirigée par un staff pasteur Lajus, pasteur Gauthier Monestime, pasteur Jean-Bernard Valsimé, avec Elatrier de ouvriers qui travaillent dans les. Qui message vous avez pour tout fidèle? Eh bien, pour tout fidèle, nous avons persévéré. Même principe, je la Bible dit, nous devons obéir avec autorité qui est placée sous cette loi. Prendre des précautions, nous protéger l'autre et puis pour nous capables d'aller vers l'avant. Non, pas moi, c'était frère Jacques Michel, c'est nous là. Ok. Nous saluons au même tour spécialement qui déplacé pour venir qu'on ait commencé à marcher par ici et nous saluons tout le monde qui a gardé nous. Après 4 mois, mon père porte l'église ouvert,
comment ça a été pendant 4 mois, comment nous te comprendre la situation ça. Bon, nous avons senti beaucoup de temps pour le monde, nous étions pratiquement désespérés. Il y a beaucoup de monde qui t'a prélé, qui a dit mon père, mais qui l'a commencé, nous pas capable de répondre. Nous venons apprendre que eh bien, porte l'église a ouvert, on a recommencé avec la messe, donc c'est la joie. Non seulement beaucoup de pas nous, mais beaucoup de peuple bon Dieu, c'est ça nous remarquer matin à tout pour la caillou. Alors, nous ouvert porte l'église ouvert aujourd'hui à ces premiers messes là, comment nous comment ça t'est. Bon, comme premier jour, nous sentons nous contents parce que il y a plusieurs groupes, nous fondons l'église là, qui te prend décision pour te venir marquer banyo, et tu as respecté la distance sociale là, ça t'est fait vraiment. Et là, nous venons matin, nous voyons tout le monde te respecter ça. Donc, pour nous-mêmes, c'est un point positif. Nous voyons nous prendre conscience et il y a protégé tête, il y a protégé entourage et tout. Donc, ça fait nous plaisir vraiment. Pendant que vous avez vu l'église là, est-ce que nous va mettre quelques principes avant de rentrer l'église là pour observer? Tout à fait. Nous avons frère qui là, dans le matin, vous avez levé bonheur. Dans chaque rentrée, vous mettez un beau kit pour laver main. Il y a un scout qui est là, il y a un pastoral des jeunes, il y a un kigo, il y a un autre mouvement qui est là. Et yo, là, il y a assez de monde qui s'est pour faire avant pour rentrer. Et nous sentons ça respecter pour nous-mêmes. C'est une belle bagaille parce que nous avons pris conscience. Vraiment, tout consigne est pratiquement respecté. Bien que l'église vous matin, hein? Mais d'après vous-même, est-ce que vous pensez maladie à point fait là? Et si vous pensez pourquoi point fait, qui conseille ou bah fidèle? Moi, quoi, nous avons un moment qui nous mérite de prendre en pile précaution, même plus qu'avant. Parce que nous sommes capables de sentir, puisque les ont fait dire, eh bien, c'est confinement total, nous ne pas sortir, eh bien, nous ne pas gagner rien, nous sommes capables de dire, eh bien, nous ne pas gagner rien. Nous venons négliger, donc là, il faut faire pile prudence, parce que dans le moment ça là, maladie là, nous prenons conscience que là, tout ça n'a fait, il faut que nous mettions en tête, nous, eh bien, maladie là, il faut que nous laver main, il faut que nous mettions masque, il faut nous respecter la distance sociale. Donc, c'est pas fini, maladie a fini. Tout simplement, je choisis de rouvrir l'église parce que nous pratiquement gain contrôle. Si nous avons dit le comme ça, mais ce n'est pas fini le fini. Et nous espérons que nous avons pris conscience pour ne pas quitter négligence entrer dans la tête, pour être capable toujours de prendre même mesure et pour éviter maladie à lui-même propager davantage. Comment dérouler, mais ça a déroulé pendant célébrer ensemble avec masque. Mais toujours qu'un des principes ou même personnellement mon père. Et justement, je ne vais pas mettre masque parce que moi-même avec mon lieu, nous avons une grande distance. Mais par mesure de prudence et plutôt pour capable lancer un message, je me dis, je vais mettre masque là. C'est difficile, ça tu as tout fait, mais on choisit faire et qu'on s'appelle bon Dieu après. Donc ce n'est pas jouette, ils sont réalité tout bon, donc nous devons porter masque. C'est qu'il y a quelques petits côtés, donc nous ne pas mettre lui, mais nous toujours faire toutes mesures nécessaires, tout effort pour nous porter masque là. Et moi-même, je conseille de porter le tout. Si tu as un message pour Fidelio, mais ça m'a bien pour Fidelio, tant que parole là, tu as dit jeudi, hein, pour l'entrer dans le canon. Et pour nous comprendre, pour nous mettre en pratique, pour être capable de porter fruit. Et bien, c'est même gentil. Les autorités ont parlé, les conférences épiscopales, ils prennent des mesures, ils disent, mais comment pour nous faire? Donc, faire pour ne pas tomber dans une grosse catastrophe, c'est appliquer des mesures. Comment on est et qui est paroisse nous là? Moi, je suis frère Wilfried Cavalier. Moi, je suis paroisse ici. Moi, c'est gardien fraternité et ça, par une des paroisses là. Et je suis responsable franciscain dans le pays d'Haïti. Paroisse quoi d'émission. Merci. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Oup!